Après l'exercice de respiration, je passe à l'échauffement proprement parlé de la voix, donc les cordes vocales, etc. Donc je travaille beaucoup par des sirènes sur des ou, sur des brrrr. Je travaille beaucoup comme ça, donc je vous montre, je fais un petit temps. L'avantage de travailler de la sorte, le faire le ou, déjà le ou, il a tendance à masser, donc masser tout ce qui est les cordes vocales. Et comme on se concentre sur cette partie en faisant brrrr, on n'a pas de tension ici. On peut s'aider justement en mettant les doigts parce que c'est pas toujours évident. S'il y a une petite tension, si on sourit, souvent, si vous le faites en classe, vous allez voir, si vous faites brrrr devant les gamins, vous avez tous les gamins qui rigolent et vous n'y arrivez plus à le faire. Parce qu'une fois qu'on sourit, on crée une tension ici et c'est fichu. Donc, on peut s'aider avec les doigts et brrrr, brrrr, brrrr. Là, si vous regardez, en même temps que je fais cet exercice, il se passe vraiment des choses ici. Ça doit être volontaire, ça ne va pas venir naturellement. Il faut vraiment... C'est vous la machine de votre voix, c'est votre corps, ça va être votre soufflerie. La soufflerie, elle n'est pas naturelle, la soufflerie, il faut la forcer. Donc moi, je fais ça. Ouh, 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 ouh. Ce son un peu bizarre, là, qui est très différent de ma voix parlée. On va l'obtenir tout bêtement, c'est ce que j'explique aussi aux enfants. Vous allez bâiller. Quand on se met à bâiller, on a tout l'intérieur de la gorge qui va s'ouvrir. Et plus on est ouvert, moins on se fatigue. Avec la voix parlée, c'est pareil. Plus je vais être détendu, moins je vais me fatiguer. Donc je continue à faire ça. Et là, je passe sur toutes les voyelles. Maintenant, je vous montre un petit quelque chose. Quand on est chanteur, c'est ce que j'explique à mes élèves, il faut être le roi des fainéants. Roi des fainéants, ça veut dire que je vais limiter mon articulation au maximum. Il n'y a pas question que je me mette à articuler de la sorte pour chanter. Plus je vais articuler avec la bouche, plus je vais créer des tensions et moins je vais avoir la voix libérée. Ça veut dire que deux petits exercices. Premier petit exercice, la place de la langue. On a tendance à dire pour les chanteurs que la mâchoire inférieure et la langue n'existent pas. J'ai eu un professeur qui me disait ça. Au début, c'est un peu bizarre de dire, mais ça n'existe pas. Non, il faut imaginer qu'on chante sans cette partie. C'est-à-dire que la langue, elle va trouver sa place juste derrière les dents du bas, et je suis capable d'articuler en laissant la langue à cet endroit-là. Donc ça transforme un peu le son, mais la technique du chant, c'est ça aussi, c'est transformer un peu le son. Les enfants disent, mais ils chantent en lyrique, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. On ne comprend rien à ce qu'ils racontent parce qu'ils mettent en avant le son de la voix et pas le texte. Donc, tout ce qui va être les voyelles, donc je peux faire A, E, I, O, U, là, tout ce que je viens de faire, ça ne sert à rien. Je vais faire la même chose en me mettant une position de chanteur. Je vais baser ma langue derrière mes dents du bas et je vais prononcer les mêmes voyelles. Et vous allez voir, la bouche ne va pratiquement pas bouger. Là, je pense que c'est assez flagrant, vous le voyez. Ma bouche a adopté une position, ce que j'appelle le U allemand. Toujours avec le diaphragme qui va soutenir, évidemment. On va prendre une chanson toute bête, La Petite Souris Verte, que tous les élèves connaissent, évidemment. Et je vais la chanter comme un enfant la chanterait. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, etc., etc. Je fais des tonnes de mimiques au niveau du visage. En plus, je les ai accentuées pour que vous les voyez bien. Le but de l'exercice, ça va être de limiter au maximum pour avoir toujours la même chanson en limitant tous ces mouvements ici. Donc, je vais vous la refaire. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Et du coup, le teint de la voix, vous devez vous en rendre compte, il s'est tout de suite transformé. Deux raisons. Première raison, comme je limite l'articulation, il faut que je triche avec l'arrière de ma voix. L'arrière de ma voix, ça veut dire, je vais créer, on va appeler un espace cathédral. Avec les enfants, j'utilise pas ce mot-là, je dis que vous avez une patate chaude dans la bouche. Vous imaginez qu'on prend une grosse pomme de terre très chaude. Tous les enfants, ça le font très bien. Cette sensation de « oh, c'est chaud », une souris verte, tout cet espace que vous allez créer ici, puis vous allez créer de l'espace, puis vous allez être détendu. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la position du larynx. Chez les garçons, ça se voit bien, on a la pomme d'Adam ici, le cartilage qui protège les cordes vocales. D'ailleurs, les cordes vocales sont juste derrière. Quand je vais chanter, le but de la manœuvre, donc encore une chose à construire, donc la respiration, le placement du son, et la position du larynx. Quand je vais chanter, mon larynx, il va devoir se trouver très bas. Je vais vous mettre sur le côté pour que vous vous en rendiez compte. Là, j'ai une position de larynx normale,
Et quand je vais chanter, si on le voit ici, c'est ce qu'on appelle le basculement du larynx. Bon, larynx, il glisse vers le bas. Plus je vais monter dans les aigus, plus je vais être dans les aigus, plus mon larynx il doit être bas. Plus mon larynx il va être bas, plus ça va jouer sur la tension de mes cordes vocales et permettre un son facile. J'associe tout ça. Donc, je refais ma souris verte. Donc, ma souris verte avec mon larynx très bas. Et si on met le larynx très bas, on a naturellement une sorte de voix, ce qu'on peut appeler une voix lyrique qui va se mettre en place. Si je me mets à parler comme ça, c'est un côté très ampoulé, très pédant, si on veut. Et c'est un peu la technique du chanteur d'opéra, que je ne suis pas, je précise, mais c'est un peu cette image qu'il faut retourner. Donc je peux travailler, je soulève mon voile du palais pour créer ma cathédrale, ma patate chaude, j'articule tout devant, quelle que soit la voyelle, A-E-I-O-U, 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 chanteur des variétés, A-E-I-O-U, chanteur plus travaillé, d'accord? Un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Donc, je baisse mon larynx et on y va. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Je m'amusais à faire des sons comme ça. Avec les enfants, ça marche super bien. Quand on s'amuse à faire ça, tout va se positionner naturellement. Il faut être feignant, mais il faut contrôler les choses. Voilà. Do-do-ba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 -do